Du 1er au 3e arrondissement, en passant par le 2e, une délégation de la mairie de Parakou avec à sa tête le maire Inoussa Zimé Chabi est allée réceptionner un lot d'ouvrages marchands et scolaires ce mardi 16 mai 2023. Dans le 1er arrondissement, c'est ce bloc flambant neuf de 8 boutiques d'un coût global de 22 millions de francs CFA réalisé en seulement 3 mois dans le marché de petits ruminants de Woru Tokoru qui a été réceptionné. Une fois mise en service, cette infrastructure marchande va booster l'économie locale. Ce que nous avons prévu faire a été fait. Ça a été bien fait. C'est un marché de petits ruminants. Il fallait qu'il y ait ces boutiques. Après le 1er arrondissement, cap sur le 2e et le 3e où l'autorité municipale a réceptionné à l'EPP Baka et Soinrou deux bâtiments flambant neufs de 3 salles de classe chacun, plus bureaux et magasins d'un coût global de 62 millions de francs CFA réalisés en 5 mois. Les bénéficiaires expriment leur joie. Nous avons foi que les enseignants et les enfants vont entretenir ce joyeux pour que des générations, beaucoup de générations en jouissent. Je voudrais remercier monsieur le maire de la commune de Parakou ce jour mardi. 16 mai 2023 est un grand jour pour nous à l'EPP Assagouine Bakassé car ce jour vient nous laver, nous essuyer les larmes et amoindrir nos peines qui ont duré plusieurs années. Je suis l'homme le plus heureux aujourd'hui, le maire, et avec toute son équipe, nous leur disons bravo. Nous n'avons pas de mots pour prononcer, le sentiment est d'une joie extrême. Même son de cloche dans le rang des chefs d'arrondissement. Une journée de joie pour la population de Baka en général, les parents d'élèves, les enseignants et les élèves qui depuis plusieurs années souffraient dans des salles de classe en matériaux précaires définitifs. Le groupe C n'avait même pas une salle de classe digne du nom. Tout était précaire. Aujourd'hui, nous avons maintenant des salles définitives. Nous sommes très contents aujourd'hui en tant que bénéficiaires de le réceptionner. Surtout très beau. En tant qu'enseignant, c'est le rôle que vient jouer une telle bâtisse. Quand je suis venu ici, on m'a signalé de ce que les effectifs dans les salles sont autour de 100. Et ici, ce bâtiment vient remplacer un appartement qui accueillait les enfants au cœur de la ville de Parakou, à Soinrou. Donc c'est pour faire comprendre que ce module-là est le bienvenu. Le directeur départemental des enseignements maternels et primaires salue cet acte qui vient soulager les peines des écoliers et leurs enseignants. Monsieur le maire de la commune de Parakou, vous venez par cette action apporter une contribution notable à l'amélioration non seulement des conditions d'apprentissage des écoliers, mais aussi à celles de travail de nos chers et vaillants enseignants. Les résultats scolaires vont à coup sûr en recevoir un impact positif. Monsieur le maire de la commune de Parakou, nous espérons que le plan de développement communal PDC 2019-2023 continuera de doter nos écoles de Parakou d'infrastructures mobilières et immobilières en vue d'un meilleur rayonnement de nos apprenants. Le maire de la commune de Parakou fait le point de cette tournée de réception des infrastructures marchandes et scolaires au profit de ses administrés. Nous venons de faire les 3 arrondissements. Nous étions au 1er arrondissement pour la réception. Un lot de boutiques construites pour nos usagers du marché à Woru Tokoru, pour le marché de petits ruminants. Et après, nous sommes allés à l'EPP Baka pour la réception d'un bâtiment de 3 classes. Plus bureau magasin. Actuellement, nous sommes à l'EPP Soinrou pour la réception d'un bâtiment de 3 classes, là, meublé. Et vous voyez aussi que les travaux se poursuivent pour le second bâtiment. Ce sont des travaux de réfection pour mettre aussi ce bâtiment-là à jour, un bâtiment qui a été construit depuis les années 2000. L'autorité municipale a profité de cette occasion pour annoncer d'autres travaux au grand bonheur des populations. La satisfaction des besoins de nos populations, c'est l'essence même de notre existence. Et c'est cela que nous sommes en train de faire. Ça, c'est dans le domaine scolaire et dans le domaine marchand. Dans le domaine de la santé, d'ici à là, nous allons encore réceptionner des choses que nous avons réalisées. Au niveau des infrastructures routières, actuellement, nous sommes en train de courir sérieusement parce que les pluies sont en train de s'annoncer.
Et par rapport à ça, il faut faire quelque chose pour nos populations afin qu'elles puissent circuler librement. Progressivement et de la plus belle des manières, l'édile de Parakou Inoussa Azimé Chabi entend voler au secours des populations dans plusieurs domaines. Abonnez-vous à la chaîne MP Vision TV et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos.